Il en a fallu beaucoup ce matin pour les usagers des transports en commun de l'agglomération cayennaise. Un mouvement de grève a en effet paralysé le trafic de la régie des transports. À partir de 10h30, un service minimum a remis en circulation un bus sur deux. La rentrée scolaire a été particulièrement impactée par ce mouvement social, comme ici, au lycée professionnel Balata. L'absentéisme est assez important. Il y a des classes où il y a 3, 4, 5 élèves, alors que théoriquement l'effectif est d'une vingtaine d'élèves, voire 28. Donc c'est l'impact est assez important. Ça pose des problèmes puisque certains élèves sont en examen, contrôle en cours de formation et qui ne peuvent pas passer leurs examens dans de bonnes conditions. Cette grève a fait l'objet d'un préavis déposé il y a 10 jours. Les négociations entre les agents et la communauté d'agglomération concernent plusieurs points liés aux ressources humaines. Mais aujourd'hui, c'est aussi la mise en place de la carte sans contact qui a concentré la colère des syndicats et notamment une note de service diffusée vendredi. Il n'a pas été tenu compte des problèmes techniques que rencontrent les agents. C'est-à-dire que tous les bus ne sont pas équipés, tous les agents n'ont pas leur terminal, les terminales se déchargent avant la fin de la journée, enfin, et différents points techniques qui peuvent mettre les collègues en difficulté. Et comme toujours, la note très péremptoire, sans donner les détails, arrive à la conclusion que tout contrevenant s'expose à des sanctions disciplinaires. Le personnel mobilisé expliquait en fin de matinée n'avoir aucune nouvelle de la direction. De son côté, la présidence de l'agglomération exprimait son incompréhension. Il n'y a, me semble-t-il, pas de point bloquant. Nous leur avons demandé un report du préavis de grève de 48 heures de façon à poursuivre la négociation, de poursuivre les discussions, sans gêner les usagers. Visiblement, nous avons constaté ce matin que l'intersyndicale et les organisations syndicales ont refusé cette proposition de compromis. Une nouvelle réunion est en cours entre les syndicats et la communauté d'agglomération depuis le début de l'après-midi.